Salut tout le monde, aujourd'hui on va se faire le parcours balisé noir au départ de Saint-Léger-les-Ménez. C'est parti pour 22 km, 1100 mètres de dénivelé. Allez, on voit tout ça en vidéo. Pour rejoindre Saint-Léger, c'est comme d'habitude, on va y aller en vélo. 7h30 du matin, franchement. Première petite côte, ça pique. Mais bon, ça va le faire. Tranquillou, tranquillou. Bon, ben voilà, on est arrivé à Saint-Léger-les-Ménez. On commence le parcours sur une petite portion de route. On va voir si c'est long ou pas. Je l'ai jamais fait, donc on va voir, on va découvrir tout ça avec vous. Bon, ben ça commence bien. Parcours GPS, il ne suit pas les fléchages. Donc on a suivi les fléchages, ça m'arrange bien. On a pris du coup la DFC ITER plutôt que du goudron, mais ça commence déjà à monter grave. Ah ben on est revenu sur le droit chemin, ça fait 5 minutes que je navigue un peu parce qu'ils avaient mis un panneau sur un arbre à une intersection, mais au milieu d'intersection, donc tu savais pas si tu devais aller à droite ou à gauche. Bon, ben depuis le départ on a dû faire 2 km pour 300 mètres de dénivelé. Ça annonce la couleur là. Interminable cette DFC. On est à peu près sur du 12-14% de montée. Ça pique un petit peu là, mais bon, ça va se faire tranquillou. Allez, on se retrouve en haut, je vais pas vous emmerder avec toute cette montée, on se retrouve là-haut. Bon, ben on est loin d'être en haut, mais on peut déjà apprécier le panorama. Gros tronçon de montée là, 22% pour l'instant, tout fait sur le vélo, mais c'est dur. Les copains, ils sont en vélo électrique, j'arrive pas à suivre. Ça commence à sentir bon apparemment. Descend, c'est des pâturages, donc on doit être en haut. On y est. Le Saint Graal ouvre ses cuisses. Ah. Ouh. Je sais pas si vous voyez la marmotte là. J'ai récupéré mes deux copains du jour. Bon, mais je m'attendais quand même à des descentes, à une petite descente en single. C'est quand même un petit peu dommage de se taper toute cette montée pour faire de la piste large, même si elle est cassante par endroit, quoi. Mais bon, bof. Il y a la vallée de Champollion en bas. On y est, il est là le single. J'ai eu peur là, sur le coup, franchement. Je me suis dit, si on a monté tout ça pour faire que de la DFCI, c'est vraiment dommage. Et il est là. Il s'ouvre à moi et à nous. De celui qui annonce le temps. Au moins on n'aura pas chaud.
Bonjour. Ah, que c'était bon. Et du single, ben, on se tape un petit morceau de route en descente. Et on repart de suite dans un chemin en sous-bois. Super. Si on reste pas trop longtemps sur la route, c'est que mieux. Ouh, avec un petit tapis de feuilles, celui-là, il risque d'être ludique à souhait. On voit que dalle en dessous. Oh là là, comment tu peux y aller? VTT attitude est toujours là. On en route. Ah, ça fait oublier toute cette portion de DFCI qu'on a fait. C'est un peu humide par ici par contre. Hein, merde, c'est fin. Bon bah après s'être éclaté dans ces petites descentes, ces petits singles, et bah faut remonter. Là on a passé le petit village de Ricou et c'est devenu plus plat, hein, c'est tranquille. On a... Écoutez-moi ce petit doux bruit là, ça, c'est reposant, c'est calme. Oh putain, il y a les vaches. C'est le troisième que je croise, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de mourir con. S'il y a quelqu'un qui peut m'aiguiller, me dire ce que c'est en commentaire, ça serait sympa. Je pense que ça doit être un trop plein d'eau, ça doit cracher de l'eau ou il doit y avoir des canalisations en dessous, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui peut éclaircir ce petit point, ça serait sympa. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi la petite cascade. Et après on se fait la remontée vers Saint-Léger. Faut pas croire qu'ils nous ont préservé sur la fin. Je la connais celle-là, j'ai déjà faite. Dernier petit tronçon pour remonter à Saint-Léger, il va piquer sa mère. Et voilà, tour parcours noir au départ de Saint-Léger-les-Ménez terminé, le combo c'est fait. Il y a un petit peu moins de dénivelé finalement, il y a 900 mètres au lieu de 1100 annoncés. Moi il me reste plus qu'à remonter là-haut et à basculer de l'autre côté. Et puis c'est fini. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.